la firme patio. Apágate, cosito y el compte rendu de la 48e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 11 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 48e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour irrelatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Point 1. Mise en place et nomination au sein des établissements et services publics. Il se remarque depuis un certain temps des mises en place au sein de certains établissements et services publics, notamment le GEFREM, et ce, en violation des instructions encore en vigueur à ce sujet. Qui pis est, les dites mises en place sont intervenues sans une dérogation expressément accordée à la suite d'une demande motivée et justifiée par les besoins de fonctionnement de services, surtout en cette période de lutte contre la COVID-19, crée des tensions sociales dans la mesure où elle porte en elle les germes de dissension et de subversion, car la plupart des cas, elles sont mal pensées. Ainsi, prenant en compte la gravité de la situation de tension qui prévoit dans les établissements et services publics où lesdites mises en place ont été effectuées, et en attendant la mise en place de nouveaux animateurs de ces établissements qui seront issus des discussions actuellement en cours au sein de la coalition, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a chargé les ministres sectoriels concernés par le dossier de faire rapporter toutes affaires cessantes, les décisions irrelatives et de faire rapport au président de la République dans un bref délai. 2. Accompagnement de la SONAS. Le chef de l'État a été informé des difficultés de fonctionnement qu'éprouve la Société nationale d'assurance SONAS en sigle, particulièrement depuis l'effectivité de la libéralisation du secteur d'assurance consacrée par la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 qui a mis fin au monopole dont a bénéficié cette entreprise publique depuis sa création. Face à cet état des choses, le président de la République a indiqué qu'il est du devoir de l'État actionnaire unique de cette entreprise publique de l'accompagner dans le strict respect du principe de compétitivité de l'économie en la dotant des moyens qui la rendent plus compétitive. À l'initiative du chef de l'État, le Conseil a demandé au ministre sectoriel de veiller, avec le concours de l'Autorité des régulations et du contrôle des assurances, à l'application stricte et uniforme des tarifs de référence pour toutes les branches exploitées dans le secteur des assurances. C'est là, a dit le président de la République, un moyen de mettre fin à la concurrence déloyale dont serait présentement victime la SONAS. Le chef de l'État a demandé au ministre des Finances de faire un rapport circonstancié quant à ce. 3. Dossier du port en eau profonde de Banane. Après avoir reçu et échangé avec chacun des ministres concernés dans ce dossier et à la lecture des divers rapports soumis au Conseil des ministres et à lui-même, le président de la République a relevé des divergences profondes au niveau de la partie congolaise, non seulement sur la stratégie de négociation et d'implémentation de ce projet vis-à-vis du partenaire privé, mais également sur le modus operandi pour y arriver. En témoigne notamment la divergence sur le contenu des projets d'avenants, tant à la convention de collaboration portant délégation des services publics pour ce port, que d'avenant au pacte d'actionnaires de la société concessionnaire du dit port. Il a fait observer que ces projets ne prennent pas suffisamment en compte les points de convergence à ce jour acceptés par les deux parties et consignés dans le procès-verbal du 19 mars 2020. Le chef de l'État a souligné l'importance de ce projet pour le pays, dont l'examen ne pourrait être épuisé
au cours de la présente séance du Conseil des ministres, dans la mesure où le dossier y afférent n'a pas encore pris en compte toutes les évolutions déjà acceptées par les partis. De même, les dix projets doivent intégrer les points de convergence qui seront issus des négociations actuellement en cours. Pour assurer plus de transparence dans la sauvegarde des intérêts de l'État, à la demande du président de la République, le Conseil des ministres a instruit les deux parties de finaliser à bref délai, avec l'assistance de juristes de la présidence de la République et ceux du gouvernement désigné par le Premier ministre, les discussions sur les quelques points de divergence encore subsistants. Il a été demandé qu'un procès-verbal final acte les points d'accord qui seront traduits dans les projets d'avenant à soumettre au gouvernement pour leur approbation en Conseil des ministres avant la signature des deux avenants. C'est à l'issue de cette démarche qu'une fois ces projets adoptés, le président de la République signera les ordonnances nommant les mandataires congolais dans la société concessionnaire avant le lancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. 4. Paiement des cotisations de la République démocratique du Congo à l'Organisation internationale de café et cacao. Lors d'une précédente réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait rappelé la nécessité de payer les cotisations de notre pays dans les différentes organisations internationales dans lesquelles celui-ci participe. Tout en encourageant l'effort qui est en train d'être fait dans ce sens, le président de la République a déploré le fait qu'aucun paiement des arriérés de cotisations n'a été fait au profit de cette organisation jusqu'à ce jour. Aussi, sur instruction du chef de l'État, le Conseil des ministres a demandé au ministre des Finances de parer au plus pressé à cette situation pour faciliter l'élection d'un compatriote au poste de secrétaire général de cette organisation internationale. 5. Visite des membres du gouvernement central en province. Depuis quelque temps, des plaintes de gouverneurs des provinces sont adressées au président de la République pour déplorer l'attitude de certains membres du gouvernement central qui se rendent dans leurs entités décentralisées, en particulier dans les zones minières, sans les aviser de leur arrivée, ou plutôt en ne les informant de leur présence qu'une fois arrivés sur place. Parfois, ils sont pris en charge tant au niveau sécuritaire que logistique par les sociétés minières concernées en lieu et place des équipes officielles provinciales. Certains d'entre eux profitent de ces voyages pour discuter des taxes et redevances dues aux provinces par lesdites sociétés à l'insu des autorités provinciales. Un tel comportement ne favorise pas du tout la réussite de la politique de décentralisation constitutionnellement consacrée dans notre pays. Bien au contraire, il entraîne des effets pervers, notamment l'affaiblissement de l'autorité provinciale devant ses administrés et les sociétés concernées, ce qui est susceptible d'exacerber les tensions inutiles entre les membres du gouvernement central et les chefs des exécutifs provinciaux. C'est pourquoi le chef de l'État appelle les membres du gouvernement au respect et à la considération des gouverneurs des provinces et à travailler avec eux dans un esprit de concorde et dans le respect des textes en vigueur. 6. Exercice du petit commerce, du commerce de détail et promotion de la classe moyenne en République démocratique du Congo. La semaine qui s'achève a connu des revendications des tenanciers, des chambres froides et autres vendeurs de produits alimentaires qui réclament notamment le respect strict des lois régissant l'exercice du petit commerce, du commerce de détail en République démocratique du Congo. À titre de rappel, ces textes tantôt réservent l'exclusivité de l'exercice du petit commerce et du commerce de détail aux Congolais, tantôt interdisent aux producteurs, importateurs et grossistes d'exercer le commerce de détail dans le but de favoriser l'entrepreneuriat national et l'émergence d'une classe moyenne congolaise, gage du développement intégré de notre pays. Les assouplissements y apportés concernent exceptionnellement certains secteurs tels les stations-service, les supermarchés, les restaurants et l'industrie hôtelière.
Cependant, dans la pratique, l'on constate que les grands importateurs et autres grossistes, majoritairement étrangers, continuent à exercer le commerce de détail et le petit commerce au mépris des textes en vigueur accordant cette exclusivité aux nationaux. Cette situation, qui asphyxie les Congolais exerçant dans ces secteurs, est de nature à mettre en péril la paix sociale et l'éclosion d'une classe moyenne nationale. C'est pourquoi le président de la République invite le gouvernement, plus particulièrement les ministres concernés, à poursuivre les efforts déjà engagés pour faire respecter cette réglementation et en associant à leurs actions les associations patronales concernées et en proposant des projets de réforme rendus nécessaires par les contingences de l'heure. Point d'information. Premier point, celui concernant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a fait part au Conseil de ce qui suit. 1. L'état d'esprit de la population. Il est dominé par l'attente des parents et étudiants concernant la reprise de cours à la suite de l'audience accordée par le chef de l'État aux représentants des associations des professeurs des universités en grève. L'expectative est également de mise chez les parents des élèves des classes montantes. État sécuritaire du pays. Il est resté et dominé par des succès de plus en plus croissants des FRDC contre les groupes armés, notamment ceux de l'Endu Kodeko dans l'Ituri et Mai Mai dans le Nord Kivu. Des mouvements de reddition des miliciens se poursuivent. Il y a lieu de veiller à un bon encadrement des rendus des nouvelles recrues et des éléments à recycler, tant au niveau de la police nationale qu'à celui de FRDC, afin d'éviter leur divagation et des comportements déviants. Des propositions concrètes de nature à réduire les risques inhérents à la divagation des concernés ont été formulées. Il y a lieu de signaler par ailleurs que le territoire d'Urumu a été le théâtre d'actes barbares menés par la milice ADF du 6 au 10 septembre 2020, ayant occasionné près de 49 morts et des kidnappings des citoyens. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a indiqué que des mesures et des stratégies particulières ont été mises en place en vue de venir à bout de ce groupe armé. De la criminalité et du banditisme urbain. Lancement à Kinshasa par la police nationale de l'opération Roadblock, consistant à l'érection des barrières nocturnes sur les grandes artères de la capitale pour lutter contre l'insécurité. Des patrouilles mixtes FRDC et police nationale congolaise opèrent à Lubumbashi et à Kolwezi pour anéantir l'activisme des inciviques. Il y a lieu de veiller particulièrement à l'approvisionnement en vivres et médicaments de nos prisons au risque de se retrouver devant des cas d'évasion. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire. Le ministre de la Défense a informé le Conseil du fait que la situation est relativement calme et globalement sous contrôle des FRDC sur l'ensemble du territoire national, en dépit des foyers d'insécurité isolés concentrés dans quelques territoires de l'est du pays. Pour le surplus, l'armée a accentué la traque des forces négatives qui opèrent dans l'est du territoire national, notamment contre les groupes ADF-MTM à Beni, Mai Mai Katumba et Nyatura dans le territoire de Rutshuru, puis Rwaneho dans le territoire de Fizi, Raia Mutomboki à Kalehe et des réfractaires de Kodeko dans l'Ituri et Djougou. En ce qui concerne les recommandations, le ministre a vivement souligné la nécessité d'une meilleure prise en compte des rendus afin de ne pas décourager ceux qui aspirent à la reddition et à l'éligibilité au DDR. Initiative impulsée par le commandant suprême. Il y a en particulier la redynamisation et l'intensification des opérations à l'Est qui sont en cours. Il y a la création des quartiers généraux avancés qui se réalisent
Et c'est ainsi d'ailleurs que les chefs d'état-major des FARDC, ainsi que l'inspecteur général de la police, des responsables des services de sécurité, sont déjà actifs dans l'Est, comme suggéré par le chef de l'État. La caravane mixte FARDC, députés nationaux, anciens miliciens pour sensibiliser la population, a déjà commencé à se déployer. Les besoins de l'armée. Ces besoins ont été exprimés en Conseil des ministres via le ministre de la Défense et ancien combattant. Gouverneur de la Banque centrale du Congo. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services du 3 septembre au 10 septembre 2020. Invité à exposer sur les sujets, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait part au Conseil des ministres de ce que globalement l'économie nationale a été marquée par la poursuite de la stabilité de la monnaie nationale et le ralentissement de l'inflation. Le gouverneur de la Banque centrale a indiqué que la stabilité du marché d'échange et celui des biens et services est consécutive aux mesures prises dans le cadre du pacte de stabilité. Il a ainsi souligné les interventions indirectes sur le marché d'échange au moyen du règlement en devise d'une fraction importante des dépenses publiques. Quant au ralentissement du rythme de formation de prix constaté, il est en corrélation avec la faible volatilité du taux d'échange observé au courant de la semaine. Parmi les recommandations formulées par le gouverneur, on note la poursuite du respect strict des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité, la mise en place de stratégies efficaces de lutte contre la fraude et la corruption en vue de l'amélioration de la mobilisation des recettes publiques. Après débats et délibérations, ce rapport a été adopté. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a approuvé le relevé des décisions de la 47e réunion du Conseil des ministres du vendredi 4 septembre 2020. Examen et adoption des dossiers. Dossier présenté par le ministre de la Santé. Évolution de la situation de la pandémie du COVID-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le ministre a donné les informations suivantes concernant ces différentes maladies. 1. L'évolution de la pandémie de COVID-19. Situation épidémiologique au 10 septembre 2020. Cumul des cas 10 360. Nombre de décès 262. Nombre de guéris, 9 622. Kinshasa reste en tête des 17 provinces les plus touchées, alors que le Sud Kivu est celui qui en compte le moins parmi ces 17 provinces les plus touchées. Point saillant. La province de Choapa a connu son premier cas de COVID-19. Les professionnels de santé représentent 15% d'atteinte sur le 1899 cas pour lesquels la profession a été renseignée. Situation de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Situation épidémiologique au 31 août 2020. Cumul de cas 113, nombre de décès 48, nombre de guéris 50. Des 12 zones de santé concernées par la contamination, celle de Bikoro est la plus touchée, tandis que celles de Monieka et Wangata sont les moins touchées. S'agissant des points saillants, on notera ceci, un nouveau cas de contamination confirmé dans la zone de santé des Lilanga-Bubangi. Aucun cas de décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés actifs. 27 449 personnes ont été vaccinées depuis le début de la vaccination en date du 5 juin 2020. La paye du personnel affecté à la riposte de la maladie à virus Ebola a commencé. Vice-premier ministre, ministre du budget, complété par le ministre des Finances. Point 1. Doléances des miniers après les mesures de mobilisation des recettes prises par le gouvernement. Les mesures prises par le gouvernement en matière de suspension de l'exonération sur le paiement de la TVA à l'importation et de suspension des compensations des crédits TVA avec la redevance minière n'ont pas été bien accueillies par les opérateurs du secteur minier. À la suite des rencontres qui ont eu lieu entre le gouvernement et les opérateurs miniers à ce sujet, des propositions ont été formulées.
De tout ce qui a été échangé entre parties, la partie gouvernementale a fait des recommandations à entériner par le Conseil des ministres. S'agissant de la suspension de la perception de la TVA à l'importation, le gouvernement propose le passage à une TVA comptable d'auto-liquidation. Le mécanisme permettrait aux sociétés minières de ne plus payer la TVA auprès de la douane, mais de l'indiquer sur leur déclaration d'imposition. Concernant la suppression des compensations des crédits TVA, le Conseil des ministres a décidé sa suspension avant une évaluation. Pour ce qui est des crédits TVA des sociétés minières, le gouvernement s'engage à rembourser aux miniers les crédits TVA, et ce, après l'audit paritaire sur le montant réel du stock de la TVA à rembourser. Une commission mixte gouvernement-opérateur minier sera mise en place pour déterminer le stock de dette et les modalités de son remboursement. Pour des avances sur les dividendes, le gouvernement ne trouve aucun inconvénient que cette question soit traitée au cas par cas. Quant aux avis à tiers détenteurs lancés par la DGRAD conformément à la loi qui ont été ressentis par les opérateurs miniers comme des tracasseries en ce que cela a conduit au blocage des comptes de certains miniers, le gouvernement va instruire la DGRAD d'en suspendre l'exécution. Une commission mixte gouvernement-opérateurs miniers examinera la situation au cas par cas. Évaluation et suivi de mobilisation des recettes de l'État par les régies financières. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a annoncé les mesures exécutées, celles qui sont partiellement exécutées, ainsi que celles qui n'ont pas été exécutées. À ce sujet, il a indiqué que le ministre des Finances devra écrire à chacune des structures qui n'aura pas exécuté les mesures proposées. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a donné les indications obtenues des régies financières concernant les assignations et les réalisations par rapport aux prévisions. Il en résulte que les réalisations de la DGDA et de la DGRAD en particulier sont très en dessous des assignations pour le mois d'août 2020. Ministre de la Fonction publique. Constitution du fichier de référence de l'administration publique, FRAP en sigle, en vue de l'implémentation du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye des agents de l'État, SIGRH paye en sigle. Exposant sur ce dossier, Madame la Ministre a indiqué que celui-ci contient le résumé du rapport à mi-parcours sur le processus de la mise en place d'un fichier unique, fiable et sécurisé des agents et fonctionnaires de l'État par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information en cours au ministère de la Fonction publique. Cette démarche tend à la modernisation de l'administration publique en vue de la rendre plus performante et efficiente, notamment à travers la mise en place d'un système de gestion intégré des ressources humaines qui aboutira à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. En résumé, Madame la Ministre propose une série de mesures à court, moyen et long terme destinées à arrêter l'hémorragie financière et à asseoir le système de gestion moderne et fiable des ressources humaines de la fonction publique. C'est pour pérenniser les résultats déjà obtenus et parachever le processus de numérisation de l'ensemble des données de l'administration publique que la ministre a souhaité la validation par le gouvernement des mesures formulées. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté le dossier et, au titre des mesures conservatoires, a décidé de faire enlever des listes de paye les éléments actuellement payés en violation des dispositions pertinentes des lois. Ministre des Transports et Voies de Communication. Mesures conservatoires annoncées au gouvernement à la 47e réunion du Conseil des ministres pour le dossier du ballon tombé à Bouta dans la province du Bas-Zuélé. À la suite des mesures conservatoires annoncées au gouvernement à la 47e réunion du Conseil des ministres sur ce sujet, le ministre des Transports et Voies de Communication a proposé au gouvernement la suspension du directeur général de l'autorité de l'aviation civile pour n'avoir pas informé le gouvernement des engagements qu'il a contractés avec le propriétaire de l'engin, à savoir le ballon
stratosphérique. Après débat, le Conseil des ministres a proposé de faire remonter auprès du chef de l'État l'appréciation de la décision proposée au regard des textes régissant l'autorité de l'aviation civile et des implications de certains services avant l'intérimement de cette décision, l'occasion étant donnée aux concernés de faire valoir son droit au contradictoire avant l'intérimement éventuel de cette décision. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le ministre a sollicité du Conseil des ministres la possibilité d'adjoindre des experts congolais aux agents de l'AIEA qui travaillent en République démocratique du Congo auprès du Commissariat général à l'énergie atomique. Il a justifié cette demande par le fait que nos inspecteurs sont tenus d'assister les inspecteurs de l'AIEA en RDC dans l'accomplissement de leur mission. Pour rappel, la mission des experts de l'AIEA est de s'assurer de l'absence d'activités et de matières nucléaires non déclarées, notamment dans les installations des sociétés KCC et Metalcoal, à contrôler, et ce en vertu du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que du protocole additionnel pour l'application des garanties nucléaires y relatives, auquel la République démocratique du Congo a adhéré. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le dossier ainsi que le fonds sollicité pour l'accomplissement de cette mission. Examen et adoption des textes. Ministre de l'Économie nationale. Il s'agit du projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement de la Commission des concurrences en sigle COMCO. Ce projet, proposé par Madame la ministre de l'Économie, tient à la nécessité de mettre en place un établissement public chargé de gérer la politique de concurrence en République démocratique du Congo. En ce sens, la COMCO sera l'organe de régulation et de contrôle de la concurrence en République démocratique du Congo. Parmi les missions de la COMCO, il a été indiqué celle de veiller au respect des règles de la libre concurrence par les opérateurs économiques. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté le projet moyennant amendement. Ministre du Commerce extérieur. Il s'agit du projet d'ordonnance portant mise en place du Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CN-ZLETCAF en sigle. Le ministre a présenté ce projet en considération de la décision sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, qui demandait aux pays membres de créer des comités nationaux de la ZLECAF afin d'assurer une participation significative des parties prenantes et de parvenir à une formulation des stratégies nationales de libre-échange et de renforcement du commerce intra-africain. Sur cette base, le Conseil des ministres a décidé, au cours de sa 24e réunion du 6 mars 2020, de mettre en place le Comité national de mise en œuvre de la ZLECAF. L'instance proposée s'intitule Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo, CN-ZLECAF en sigle. Le CN-ZLECAF aura trois organes, à savoir la coordination, le conseil technique et le secrétariat exécutif. Parmi ses missions, on notera celle d'assurer la coordination stratégique et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF en République démocratique du Congo. Après débats et délibérations, ce projet a été adopté ainsi que le projet d'ordonnance portant création du dit comité. Ministre des Transports et Voies des Communications. Le ministre a présenté au Conseil deux projets d'avenant en rapport avec le projet de mise en concession du port en eau profonde de Banana, l'un relatif au pacte d'actionnaires de la société concessionnaire du dit port, faisant l'objet du projet d'avenant numéro 1, l'autre relatif à la convention de collaboration portant délégation des services publics par la construction du port en eau profonde de Banana, faisant l'objet du projet d'avenant numéro 2. Après débat,
Le Conseil des ministres a constaté la nécessité de voir tous ces projets d'avenant contenir tous les points de convergence issus des concertations non encore achevées entre les parties contractantes. C'est pourquoi il a décidé d'approfondir la réflexion sur ce dossier suivant les orientations à donner par le président de la République. Ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, artisanat. Il s'agit du projet de décret fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Le ministre de CMPA a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, adopté à la commission ECOFIN le 12 août 2020 et à la commission des lois le 27 août 2020. Cette matière a également fait l'objet des concertations entre le ministre des classes moyennes, de petites et moyennes entreprises et artisanat et la cellule climat des affaires de la présidence de la République sous la coordination du vice-premier ministre, ministre du Plan. En conclusion, cette structure a recommandé l'adoption de ce projet de décret. La création de ce fonds est l'une des réformes prévues dans le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo que notre gouvernement avait adopté en Conseil des ministres. Il y a lieu de rappeler que ce sont les agences et organismes privés et spécialisés qui vont gérer les sommes préalablement collectées par le FOGEC pour servir de garantie à l'emprunt des PME suivant les conditions, modalités et coutumes de la profession concernée. Parmi les avantages de ces décrets, on relèvera l'impossibilité d'accéder aux prêts sur base de considérations subjectives ou complaisantes. À cela s'ajoute la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance à charge des sociétés de gestion. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce décret. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Il vous souviendra que le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, le 30 décembre 2019, avait estimé, j'ouvre les guillemets, que la solution aux conflits armés dans la partie est du territoire n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, diplomatique. Je ferme le guillemet. C'est dans cette perspective et dans le respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l'accord de paix signé à Guéti le 28 février 2020 avec le groupe armé Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI en sigle, que le gouvernement a promis de soumettre au Parlement l'adoption d'une loi d'amnistie pour faits de guerre, faits insurrectionnels et infractions politiques, et ce par souci de réconciliation nationale et de pacification du territoire du Rumu dans la province de l'Ituri. Seront donc amnistiés, au terme de ce projet, les faits insurrectionnels, les faits de guerre et les infractions politiques commises en République démocratique du Congo au cours de la période allant du 21 décembre 2013 au 28 février 2020. Il y a lieu de souligner que les infractions de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, terrorisme, infractions des tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, des infractions des viols et autres violences sexuelles, l'utilisation, la conscription et l'enrôlement des enfants, ainsi que toutes les autres formes de violences graves, massives et caractérisées des droits humains, sont exclues du champ d'application de cette loi. Après débats et délibérations, le projet a été adopté. Commencé à 12h23, la réunion s'est terminée à 20h30. Je vous remercie. Il me bat, oh.
Catalogne.